C'est un bien qui devient rare sur l'Héron. Les petits logements sont peu nombreux ici, alors la communauté de communes a décidé de réhabiliter cette ancienne maison de retraite afin de proposer des petits appartements pour des jeunes entre 16 et 30 ans. C'est 343 jeunes en 2023 qui sont venus pousser la porte du CLAGE pour pouvoir trouver une réponse. Donc on les accompagne dans la mise en place d'un projet cohérent, réaliste et réalisable. Un chantier nécessaire pour Lille qui investit depuis plusieurs années dans le foncier afin d'augmenter son offre pour les résidents à l'année. Nous avons mis 10 millions d'euros sur la table et il y a un certain nombre d'acquisitions foncières déjà qui ont été réalisées. Mais la mission n'est pas toujours facile. La zone est touristique et le logement secondaire est encore roi sur Oléron. Pourtant, l'investissement est nécessaire pour Lille. C'est fondamental puisqu'aujourd'hui on ne peut plus recruter, les entreprises ne recrutent pas, les collectivités ne recrutent pas, les maisons de retraite ne peuvent pas recruter parce qu'on ne peut pas loger. Donc c'est absolument indispensable, c'est même décisif si on ne veut pas que l'économie oléronaise s'essouffle dans les prochaines années. Alors la communauté de communes regarde de près des terrains à fort potentiel, comme ces anciennes colonies de vacances. La Giboire offrira alors des possibilités de classe de mer et aussi de séjour prolongé pour les personnes du troisième âge. 100 ans après sa construction, le site n'a plus la même allure. Depuis 28 ans, la colonie, propriété de la ville de Saint-Julien en Haute-Vienne, est à l'abandon. Le site fait partie des 9 centres de vacances convoités par la communauté de communes. Certaines ont été vendues, d'autres eh bien, sont à l'abandon. Abandon complet sous forme de ruines, d'autres récemment fermées. Je pense au centre de classe de mer du château d'Oléron qui a été fermé il y a 2 ans. Donc l'idée, c'est de pouvoir les réutiliser pour faire du logement. Mais pour l'instant, l'île se heurte à la loi littorale et ne peut acquérir ses sites. Dans les 5 prochaines années, Oléron espère créer 1000 logements supplémentaires sur son territoire.